dans le département des Pyrénées-Orientales, la région sud du Roussillon, que l'on appelle le pays catalan, jouit d'une situation exceptionnelle, principalement du point de vue touristique. L'aspect sauvage de ces côtes déchiquetées retient l'attention du voyageur qui séjourne dans cette contrée si riche en excursions pittoresques. Sous un superbe climat méditerranéen qui en fait la région la plus chaude de France, adoucie cependant par la brise marine, croisent toutes les plantes aimant la sécheresse, aloès, cactus, olivier. Et cette végétation contribue à donner au pays catalan son caractère bien particulier. Le climat est parfois si rude qu'il dessèche les torrents. Au sud-est du pays catalan, la chaîne des monts Albert, qui s'étend jusqu'à la Méditerranée, sert de frontière entre la France et l'Espagne toute proche. Le point culminant de cette région est le Canigou, qui de ses 2785 mètres domine les plaines du Roussillon jusqu'à la mer et dont le pic majestueux protège Vernet-les-Bains, curieux petit village catalan de 1100 habitants, situé à 620 mètres d'altitude. Certains monuments historiques datent des 12e et 14e siècles et les vieilles rues ont conservé leur caractère espagnol. La meilleure publicité pour les vertus curatives des sources réputées de cette petite station thermale n'est-elle pas le spectacle de ces deux vieillards encore alertes et qui cependant totalisent à eux deux près de 195 ans? L'eau fraîche et pure abonde dans cette région montagneuse où les torrents traversent des gorges profondes. Nous voici maintenant descendant vers la mer dans la plaine du Roussillon, dont la capitale est Perpignan, préfecture de 75 000 habitants, cité d'une illustre et antique origine, située dans un cirque de verdure jouissant d'un climat exceptionnel et conservant un cachet espagnol très marqué. Voici le Castillet nommé aussi Porte Notre-Dame et qui défendait une des entrées de la ville. Bâti en 1310, il fut restauré sous sa forme actuelle dans la seconde moitié du 15e siècle. Du haut de cet ouvrage, on aperçoit au nord les monts de Corbière. Et à l'est, les cimes neigeuses du Canigou. Perpignan s'enorgueillit également d'autres monuments historiques incomparables, tels que la cathédrale Saint-Jean, datant des 14e et 16e siècles, et la loge de mer, datant de la même époque. La capitale du Roussillon a élevé une statue à la gloire du célèbre physicien Arago, né à Estagel, petite commune des environs. La rivière Agly, la petite ville de Rivesaltes, réputée pour la qualité de ses vins blancs et qui a vu naître le maréchal Joffre, le vainqueur de la Marne. En redescendant vers la mer, nous trouvons sur une anse bien abritée de la Méditerranée, Port-Vendres, petit port pittoresque de 3000 habitants, dont l'origine remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ et qui fut utilisé par les Romains. Aujourd'hui, Port-Vendres est un des ports reliant la France et l'Algérie. Cet obélisque en marbre du Roussillon a été élevé en 1780 en l'honneur de Louis XVI. Abrité des vents du nord par les monts de Corbière, la plaine du Roussillon est le pays du bon vin par excellence.
et le spectacle de ces vignobles aux crues incomparables a de quoi laisser rêveur le Parisien d'aujourd'hui. En février, le climat de cette région est si doux que le printemps y est en avance d'un mois sur les provinces voisines. C'est pourquoi les travaux dans les vignes commencent tôt en saison. Au sud du Roussillon, en Catalogne, les vignes s'étendent vers l'Espagne. Elles produisent des vins doux dits de muscat et de grenache, utilisés pour la fabrication des apéritifs. Nous voici au col de Banyuls, une des clés de la frontière pyrénéenne que l'on pourrait considérer en quelque sorte comme le berceau de la résistance. En 1793, en effet, une poignée de paysans de cette commune, aidés par les femmes et les vieillards, y tint en échec 4000 Espagnols. Les vignobles de Banyuls s'étendent à perte de vue. La qualité exceptionnelle de ces crus est telle que la moindre parcelle de terrain est utilisée même aux endroits les plus à pic. Dans l'arrière-pays se trouve le vieux Banyuls, pays du vin de Rancio. Le nouveau Banyuls, petit port de pêche de 3000 habitants situé à l'embouchure du fleuve Balouri, est fréquenté par les caboteurs. Sur les rives du fleuve côtier, indifférentes à la beauté du paysage, les laveuses se livrent à leur travail quotidien. De la France et de l'Espagne, Cerbère, gare internationale que traverse la ligne de chemin de fer reliant Paris à Barcelone. Centre de pêche du pays catalan, voici Collioure, dont le fort, un des plus anciens de France, se dresse dans un site unique au monde. Ancienne place forte et petit port d'environ 3000 habitants situé entre deux pointes rocheuses, Collioure, probablement fondée par les Phéniciens, doit ses défenses à Vauban et fut repris en 1794 sur les Espagnols par le général Dugommier. Émergeant de l'amas chaotique des rochers, l'église Saint-Vincent semble un paysage de rêve. Voici la maison espagnole, aux magnifiques balcons en fer forgé sous lesquels jadis plus d'un galant est peut-être venu chanter une sérénade à sa belle. Les vieilles rues ont gardé le style espagnol. Et les pieds fragiles de nos parisiennes s'accommoderaient mal des galets inégaux qui leur servent de pavés. Le ruisseau au centre de la chaussée et grouillant de gosses et de chats ajoute au pittoresque de l'endroit. Le port de Collioure n'est accessible qu'aux embarcations des pêcheurs de la localité et aux caboteurs susceptibles par leur faible tonnage d'être halés sur la grève. La saison de la pêche au Saône va bientôt commencer.
filet sur le rivage, est-elle activement poussée. De leur côté, les rabodeuses préparent les filets neufs qui serviront à la pêche aux anchois. Les pêcheurs aiment à palabrer au soleil sous le regard bienveillant de la doyenne du pays qui porte allègrement ses 98 ans. Décidément, on vit vieux au pays catalan et Collioure, espérons-le, fêtera bientôt sa centenaire. Comme les filets, les barques de pêche ont parfois besoin, elles aussi, d'être réparées en vue de la campagne prochaine. Dédiée à Saint-Vincent, qui en l'an 300 de l'ère chrétienne subit le martyre à Collioure, l'église, de style roman, n'a de remarquable vue de l'extérieur que sa situation topographique. Elle est en effet baignée aux trois quarts par les flots qui tour à tour la caressent mollement ou la frappent avec furie. À l'intérieur, le maître-autel et les autres merveilles contenues dans cette église sont dues au ciseau du sculpteur Joseph Sonnier de Manresa, qui exécuta ses chefs-d'œuvre en quatre années, de 1698 à 1701. Une statue de Saint-Vincent, œuvre du même sculpteur. La fête du Saint-Martyr est célébrée chaque année le 16 août. Donne lieu à des réjouissances au cours desquelles les habitants viennent sur la place danser les airs du pays. Certaines catalanes revêtent encore le dimanche les chatoyants costumes régionaux. Toutes les frontières, le pays catalan possède ses contrebandiers. Une des dernières visions que nous emportons de cette contrée sauvage aux mœurs rudes est celle de ces frontaliers qui exercent le métier de contrebandier, poussé, surtout depuis les événements de ces dernières années, bien plus par l'appât de gains illicites que par le goût du risque et de l'aventure.